c'était notre bande dessinée, si je me souviens bien, Prix Polar Griffe Noire de 2021, c'est Sangoma de Karine Ferret. Alors Karine Ferret, on le connaît parce que c'est un des plus grands auteurs de policiers, romans noirs, livres un peu sociologiques, notamment avec sa trilogie en Amérique du Sud. Et en Afrique du Sud. Celui-là, ce n'est pas une adaptation d'un de ses romans, mais c'est la première fois qu'il fait un scénario de bande dessinée, dessiné par Michel, par Corentin Rouge. Michel, c'est son père, qui avait repris des Blueberries, c'est vous dire la filiation et la qualité des dessins. C'est presque un roman, je disais un roman, mais c'est vrai, c'est un roman qui se passe vraiment donc en Afrique du Sud et notamment au Cap, à Cape Town. Et vraiment, pour moi, pour y être allé, on ressent vraiment la ville, on ressent la poussière, on ressent la chaleur, on ressent la moiteur, le danger, l'ambiance un peu très particulière de cette ville qui est absolument superbe, mais dangereuse. Sangoma aux éditions Glénat, c'est vraiment une très très belle réussite. Alors, ça a déjà beaucoup marché à Noël, mais je pense que tous ceux qui ne connaissent pas et qui veulent se plonger dans l'univers un peu de Karine Ferret, c'est un peu qu'avec le livre, le même genre que le livre de Ellory, ça vous permet de replonger après dans ses romans propres à lui. Mais vraiment, c'est une énorme, énorme réussite et un gros coup de cœur de la Griffe.